Tu dois montrer la différence. You must show the difference. Ta repentance est un changement. Repentance and change. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Et vous savez quand je parle comme ça? When I speak that way. Je dis, oh pasteur, tu exagères. Pastor, it's too much. Demande à changer. The word has changed, you know. Je prêche chaque année dans une église à Miami. I preach in a church in Miami every year. À Miami. Miami. Là où les gens ne s'habillent pas. Where people don't even dress. Là où il y a vraiment le siège de Satan. Where the devil has his headquarters. Dans cette église là. In that church. Les femmes s'habillent jusqu'ici. Women dress. Les femmes long normal. Normal. Comme en Afrique. Like in Africa. Mais aux États-Unis. In the USA. Aux États-Unis. In the USA. Ce n'est pas une question du Botswana. It's not about Botswana. C'est une question de conversion. It's about a conversion. Alléluia, une question de conversion. Conversion. On reconnaît la conversion de quelqu'un. We know your conversion. Par sa garde-robe. Through your wardrobe. Sa garde-robe. Your wardrobe. On entre dans ta garde-robe. Il n'y a rien de court. Nothing Il n'y a shows. Rien de sexy. Nothing sexy. Si tu es marié, if you're married, tu as des choses sexy pour sexy la chambre. It's for the seulement bedroom. Pour ton mari. Only for your husband. Une fois que tu quittes la chambre, when you leave the bedroom, même chez toi à la maison, even in the house, tu te couvres. You cover. Parce qu'à la maison, on te voit, non? Because in the house, les travailleurs you. Te voient. Your workers, les enfants te voient. Your maid, les your gens children. Qui ne sont pas ton mari te voient. Those who visit Jésus your à la husband maison. Sees you. Mais nous, nous te voyons à la maison. We see you in your house. Comme certains disent, moi, je m'enivre seulement chez moi-même. I je ne vais drunk. Pas aller bas. I get drunk only at home, not in the shebin. In my house. Moi, je m'habille bal seulement chez moi. I dress bad only at home. Une maman de l'église. A woman, a mother in the church. Elle s'habille bizarrement à la maison. She dressed, you know, un jour, je vais la visiter. I go visit her. Je la trouve dans cet état. I find her in that state. Elle était même pas mal à l'aise qu'elle aille s'échanger. She was comfortable. Elle me reçoit comme ça. She welcomed me that way. Maintenant, je ne sais pas où regarder. I don't know where to look at. Donc, je regarde seulement les plafonds. I just look at the ceiling. Frères et sœurs, brothers and la sisters, vie chrétienne touche les habits. Christian life touch even your wardrobe. Moi, quand je m'étais j'étais païen, mon pantalon when c'était I was an unbeliever, my trouser was up to here. La ceinture, c'était ici. Here. Mes cheveux, c'était Bobby Brown. Bobby Brown, my hairs. Avec ici, une ligne. With a cut here. Et je marchais comme si je vais tomber. And I was walking like I'm falling. Imagine j'ai un pantalon jusqu'ici. Just imagine I have a trouser here. Bobby Brown. Bobby Brown. Et je pense que je vais tomber. It's like I want to fall. Quand je me suis converti. When I gave my life to the Lord. Tout ça. I had to adjust. Parce que je suis né de nouveau. Because I'm born again. Je suis né de nouveau. I'm born again. Je suis né de nouveau. I'm born again. Je suis né de nouveau. I'm born again. À l'hôtel là-bas. At the hotel. Des fois il y a pas où regarder. Sometimes you don't know where to look. Devant toi, this one be funny. Approche bizarre. Funny. You just walk this way. Quand tu vas déjeuner, you want to go for les choses lunch. Se promènent. Things are walking around. What is votre problème? Hey, what's wrong here? What's wrong ici? Et des choses qu'ils montrent là aussi, tu vois, ils ont déjà vieilli. And the thing they are showing, they are already old, but they are showing. Yeah. Ce n'est pas normal. It's not normal. Si vous vous trouvez ça normal, if you find ce it n'est normal, pas normal. It is not normal. It's not normal. C'est pourquoi that's why il faut que l'église rappelle the church must remind les valeurs du royaume the values of the kingdom. Parce que plus le temps est en train de passer because more the time goes le by, monde est tellement pourri the world is so rotten que les gens ont oublié la Bible. People have forgotten the Bible. Ils ont oublié ce qui est vrai et they faux. Have forgotten what is true and what is not. Hallelujah. Et ne le faites pas qu'à l'église. Don't do that at church only. Faites-le surtout à la maison. At home especially. Là où tu travailles. Where you work. Je connais des banques. I know banks. Qui exigent aux travailleuses. That is forcing de the workers des mini to wear short skirts. Pour séduire les clients. To seduce the clients. Tu es un enfant de Dieu, tu dis moi non. You are a child of God, you say no. Moi je vais convaincre avec ma parole. I will convince through my words. Je n'ai pas besoin d'être impudique pour I vous amener l'argent. I don't need to be immoral to convince customers. You impose your Christianity. Oh pasteur, tu exagères. Pastor, it's too much. Est-ce qu'ils font ça aux musulmans? Do they do that to the Muslims? Ils font ça aux musulmans? Do they do that to the Muslims? Ils font ça aux musulmans? Do they do that to the Muslims? Ils font ça aux musulmans? Do they do that to the Muslims? Les chrétiens sont trop The Christians are too light. Il y a des choses qui se permettent avec les chrétiens. They are allowed anything tu with the Christians. Tu ne demander à une musulmane. You will never ask a Muslim de s'habiller en mini. To have a short skirt. Because she works for you. Avant de traduire en justice. She will go to court. Mais ceux qui disent qu'ils ont la vérité. But those who hold the truth. Sont légers. Who claim to hold the truth are light. Alléluia. Et regardez maintenant un homme. Look now this man. Non, David était extraordinaire. David was extraordinary. Lorsque tu lis 2 Samuel 5 verset 23. In 2 Samuel chapter 5 verse 23. La Bible dit David consulta l'Éternel. The Bible says that David went to consult the Lord. Et l'Éternel dit, and the Lord says, tu ne monteras pas. You will not go up. Tourne les pas derrière. Turn around. Non, ça je vais parler
prochainement. Okay. 2 Samuel 24, verset 10. 2 Samuel chapter 24, verse 10. David sentit battre son cœur. David felt his heart beating. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. After he has numbered the people. Et il dit à l'Éternel. And he said to the Lord. J'ai commis un grand péché en faisant cela. I have sinned greatly in that what I have done. Il dit, j'ai commis un grand péché en faisant cela. I have sinned greatly that I have done. Maintenant, ô Éternel. And now I beseech thee. Daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Take away the iniquity of thy servant. Car j'ai complètement agi en insensé. For I have done very foolishly. Qui le juge? Who is judging? Lui-même. Himself. Qui le condamne? Who is condemning? Lui-même. Himself. Souvent, les hommes sensibles ne sont pas condamnés par les autres. Usually sensitive people are not condemned by others. Les hommes sensibles se condamnent souvent eux-mêmes. They condemn themselves. Parce qu'il n'a pas besoin que tu lui dises pour savoir. Because they don't need that you speak to him. Et qu'est-ce qu'il fait? What do they do? Et qu'est-ce qu'il appelle grand péché? What do they call a great sin? Ce n'est pas l'adultère. It's not adultery. Ce n'est pas la sorcellerie. It's not witchcraft. Ce n'est pas la magie. It's not magic. Qu'est-ce que David appelle grand péché? What does he call a great sin? Il a seulement compté Israël. He just numbered Israel. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, nous sommes à 100. Hein? Ah, j'ai commis un péché. Comment j'ai compté l'armée de Dieu? How could I number the people of God? Lorsque tu atteins un niveau élevé de sensibilité. When you reach a high level of sensitivity. Ce qui est normal pour les autres n'est pas normal what pour toi. What is normal for others is abnormal for you. Parce que le roi pouvait compter le peuple par orgueil. Because the king could number the people through because et dire, of pride. Je suis le roi d'un million de personnes. And he can say I'm the king of 1 million people. Et Dieu interdisait cela. And God forbid the numbering. Et lui il a fait quelque chose qui n'est pas la sorcellerie. And he did something which was not witchcraft. Il a seulement compté. He just numbered. Lui-même s'arrête. Himself stopped. Personne ne lui dit. No one il told j'ai him. J'ai commis un grand péché. Hey, I commit a great sin. Lorsque tu deviens sensible. When you become sensitive. Sans même qu'on t'exhorte. Without exhortation. Toi-même tu vas te condamner. Yourself you condemn yourself. Quand tu deviens sensible. When you are sensitive. Et que tu as fait le mal à quelqu'un. And you have done evil to somebody. Sans qu'on te dise. Without being told, toi-même tu vas demander pardon. You go and ask for forgiveness. Lorsque tu deviens sensible, when you are sensitive, même si on ne prêche pas sur ce even que tu though, fais, even they don't preach about what you do, toi-même tu vas changer. Yourself you change. Lorsque tu es sensible, when you are sensitive, même quand ta vie va bien, even when your life is okay, si tu as fait le mal, if you have done something toi-même wrong, tu te reproches. Yourself you reproach yourself. Mais toi pour reconnaître le mal, but for you to acknowledge, il faut qu'on discute avec they toi. Must discuss with tu you. Te défends. They, you tu defend te yourself. Te you defend yourself. Tu culpabilises même celui qui you, a raison. You even put the one that is right to feel wrong. Au point où c'est toi maintenant qui as raison mais tu as tort. At such a point that you are right but you are the one who is wrong. Est-ce que tu reconnais facilement que tu as do tort? Do you acknowledge easily that when you are wrong? Nous au Congo on dit munoko makasi. In Congo you just have a big mouth. Big mouth, big mouth. J'ai un travailleur. I have a worker. Même si tu l'attrapes en train de dormir. Even if you catch him sleeping. Jano, Jano, tu dors. You are sleeping. Non, so, je dors no, pas. I'm not sleeping. I'm not sleeping. I'm not sleeping. Mais regarde comme non, ton visage. Look at your eyes. Non, no, je dors pas. No. Même si tu l'attrapes en train de prendre. Even ça, if you catch him, taking him. You are taken. J'ai pas pris. No, I didn't take. J'ai pas pris. He drops j'ai pas pris. It. I didn't là. Take. It was j'ai here. Pas pris. It was here. Donc, même s'il ne veut pas. Even if he don't sa want. Sa bouche. His mouth. Se justifie will toujours. Will justify it. Tu es comme ça. Tu es Jeannot. Are you? You are Jeannot. Frère Jeannot, alléluia. Brother Jeannot, alléluia. You are like ta femme t'attrape. Your wife catches you. Avec photos, la photo d'une femme. With the picture of a woman. Et des conversations avec une femme. And conversation. Ça c'est quoi? You say what is this? Il y a quoi? We are, what is it? Ça c'est quoi? What is this? Il y a quoi? Yo, what is mais il y a quoi? What? Mais ça, oh, il y a quoi? What is this? Je n'aime pas comme si I don't like it. Now you are watching me. You are monitoring me. I don't like it. Et puis tu sors. And then you go out. Tu ne vas plus manger. You're not gonna eat anymore. You leave. You're angry. Maintenant c'est elle qui a raison. Who is wrong? Elle est mal à l'aise. She's right but she feels bad. Dans cette maison, joue avec les gens. In the house, you are playing with me. Frère Jeannot. Brother Jeannot. T'es sûr même que quand tu as tort. Even when you are wrong. On a peur de te dire que tu as tort. They are afraid to tell you you are wrong. Parce que tu as une capacité de changer la situation. Because you have an ability to change the things around. Mais quelqu'un qui est sensible. But somebody is sensitive. Peut te dire pardonne-moi. Can say forgive me. Je t'ai blessé. I've hurt you. Oh, mais je ne sais même pas. I don't even know. Non, quand j'avais fait ça. No, when I did this. Mais je n'ai même pas vu. I didn't even non, see. Moi, ça m'a dérangé. I felt it. Pardonne-moi. Forgive me. Un bon cœur. Ah, good heart. Un bon cœur. A good heart. Réveille la sœur qui dort là, elle a des visions terribles. Awaken the sister, she having vision. Let her awaken her. Elle est partie au ciel. She is in heaven. Amen. Amen.
Est-ce que toi-même tu dis, can you say yourself, j'ai mal fait. I've done wrong. Là, j'ai mal fait. I've done wrong here. J'ai mal fait. I've done wrong. Il faut, Seigneur, quand te dire, tu as mal fait. They have to tell you. Et quand te dit, tu as mal fait. When they tell you, c'est parce que. It's because. C'est parce que. It's because. Dieu m'a abandonné. God abandoned me. Si Dieu m'aimait. If God loved. Pourquoi il allait me laisser comme ça? Why will he leave me? Est-ce que tu reconnais facilement? Do you acknowledge easily? Et il avait ce cœur là. David had that heart. Un jour. One day. Saul veut le tuer. Saul wanted to kill him. David s'enfuit. David ran away. Il va se cacher dans une caverne. He went into a cave. Et qu'est-ce qui arrive? What happened? Le roi Saul a des besoins urgents. King Saul now need to release himself. Car la Bible dit, il est allé là où les rois vont seuls. He went where the king goes alone. Et vous savez, quand le roi va seul quelque part, donc c'est pour le grand besoin. You know, when the king goes alone somewhere, it's for là-bas, him to on ne parle pas things. Avec l'armée ni avec des gardes. There you don't go with the army. Dieu lui donne ce besoin. God's make him feeling the et urging pour faire needs. Ce besoin, il va seulement là où David s'est caché. And for him to relieve himself, he goes where David is hidden. Et David est là-bas avec son armée. And David here with his army. Et David voit David sees avec son armée. With his army. Saul qui entre. They come close. Écoutez ce qu'on lui dit. Dieu t'a offert ton ennemi. God, ça c'est le signe de Dieu. God has delivered your enemy into your hands. It is Tue-le! Kill him! Et pendant que Saul est en train de faire and ses when besoins, Saul is busy doing his things, il ne sait pas que David est là. He doesn't know that David is alors there. David écoute ses travailleurs. David listens to his people. Il prend une épée. He takes a sword. Et il prend l'habit du roi. And he takes the cloak of the king. Coupe. Il tend sa main et coupe. It take a part. Son cœur commence à trembler. His heart is beating. Son cœur commence à trembler. His heart is beating. Comment je peux toucher? How can I touch? Au oint de Dieu. And when I know comment je peux toucher? God, how can I touch? Oh, que Dieu me prie. An anointed of God. De toucher le oint de Dieu. I cannot touch an anointed of il God. Il a touché le vêtement. He just touched il the cloak. Il n'a pas touché son corps. He didn't touch the king. Il l'a même pas blessé. He didn't hurt him. Mais son cœur tremble. But his heart is comme beating. S'il avait touché. As if he touched him. Lorsque tu as la sensibilité when you are sensitive, et que tu commences à pécher, you start sinning, ton cœur t'arrête. Your heart stops. Alléluia. Quelqu'un qui a la sensibilité, when you are sensitive, il peut dire viens. He can say, come. Demain on va voler. Tomorrow we're gonna quand steal. Tu pars comme ça, when you il go, t'appelle, dit ne viens pas. Hey, don't ne come. Viens pas. Don't come. Ça m'a dérangé. It, I don't ça feel m'a okay. Alléluia. Il peut dire demain, tomorrow, je vais sortir avec cette fille. I will go with this lady. Et puis il dit ah. And then, il rentre à la maison. He goes back. Mais il était déjà dans le taxi. She was already in the taxi. Ce n'est pas parce que tu as commencé que tu dois aller jusqu'au it's bout. Not because